Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Tena Moulégué Boniface, enseignant de mathématiques. La séance d'aujourd'hui qui porte sur la leçon 45, courbe CF, assemble de symétrie, est destinée aux élèves des classes de première CE, D et TI. Avant de commencer cette leçon, nous allons d'abord corriger les devoirs que nous avons laissés à la leçon 42-4, correction des devoirs. On nous avait donné la fonction F qui était définie de R privé de 3 vers R privé de 2 par... Donc nous avons la fonction F qui est définie de R moins 3 vers R moins 2 qui a X en associé tout simplement 2X moins 5 sur X moins 3. 2X moins 5 sur X moins 3. La première question demande justifier que F est une application. 2. Montrer que F est injective. 3. Montrer que F est subjective. 4. Déduire que F est une bijection. 5. Déterminer la bijection réciproque. 6. Définir l'application F rangée et on précisera naturellement l'ensemble de définitions. Nous commençons par la première question. On demande ici de justifier que F est une application. Pourquoi F est une application? Pour montrer que F est une application, il faut juste vérifier que son domaine de définition est égal à son ensemble de départ. Or, nous savons que F de X existe si et seulement si X moins 3 est différent de 0, c'est-à-dire X devrait donc être différent de 3. Donc, le domaine de définition de F est donc tout simplement R privé de 3 qui correspond effectivement à l'ensemble de départ de notre application dans le domaine de définition R privé de 3 est égal au domaine de départ, à l'ensemble de départ qui est R privé de 3. Donc, F est une application. Donc, F ici sera tout simplement une application. À la question 2, on demande de montrer que F est injective. Donc, montrons que F est injective. Montrons que F est injective. Montrons que F est injective ou bien montrons que F est une application injective. Donc, nous allons prendre ici Y dans l'ensemble d'arrivées. Nous avons dit que F est injective lorsque tout élément de l'ensemble d'arrivée, lorsque tout élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent dans l'ensemble de départ. Donc, nous allons prendre Y dans l'ensemble d'arrivée. Si nous prenons Y dans R privé de 2, nous allons résoudre l'équation F de X égale à Y, l'équation d'inconnue X, F de X égale à Y. Cela nous permet tout simplement d'avoir 2X moins 5 sur X moins 3 égale à Y, c'est-à-dire, nous développons, nous aurons donc 2X moins 5 égale à XY moins 3Y, ce qui nous permet d'avoir 2X moins XY égale à moins 3Y plus 5, c'est-à-dire, en mettant X en faveur, nous arriverons donc à X égale à moins 3Y plus 5 sur moins Y plus 2, ou tout simplement, 3y moins 5 sur y moins 2. Voilà quoi est égal x. Nous constatons que x existe effectivement. Pourquoi x existe? X existe parce que y est différent de 2. Nous avons effectivement pris y est différent de 2. Donc x existe et est unique. Donc l'équation f de x égale à y est unique. Une seule solution. Or, f est injective si tout élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent. Nous constatons donc que tout élément de l'ensemble d'arrivée a
exactement un antécédent. Donc, notre application F ici est donc tout simplement une application injective avec x égale à 3y moins 5 sur y moins 2. Donc, ce x existe effectivement et est dans l'intervalle R privé de 3 et est même unique. Donc, F est une application injective. Nous allons montrer à partir de la question 3 que F est une application surjective. Pour montrer que F est surjective, il suffit de montrer que tout élément de l'ensemble dérivé a au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. C'est-à-dire que l'équation f de x égale à y d'inconnu x admet au moins une solution. Or, nous venons de résoudre cette équation et nous avons constaté que l'équation f de x égale à y avec y pris dans r privé de moins 2 avait exactement une solution. Donc, le fait d'avoir une solution nous permet donc de justifier que l'application est surjective parce que pour être surjective, il fallait avoir au moins une solution. Or, ici, on a exactement une solution, donc l'application F est surjective. Question 4, on demandait de justifier que F est bijective. Effectivement, F est bijective parce que F est à la fois injective et surjective. Nous avons démontré à la question 3, à la question 2 que F était injective et à la question 3 que F était surjective. Donc, F est effectivement une application bijective car elle est à la fois injective et surjective. On demande de définir la bijection réciproque. C'est quoi la bijection réciproque? Nous avons l'application F qui est définie de R moins 3 vers R2. Alors, la bijection réciproque que nous allons noter, F moins 1 sera donc définie plutôt de l'ensemble d'arrivée vers l'ensemble des départ. Mais l'ensemble de départ qui a tout Y ici, c'est-à-dire qui a tout Y, on associe plutôt son image qui est 3Y moins 5 sur Y moins 2. Et si vous pensez que le Y vous dérange, vous pouvez mettre, remplacer tout simplement Y par X, c'est-à-dire à tout X appartenant R privé de 2, nous associons 3X moins 5 sur X moins 2. Voilà. Donc, définit la bijection réciproque de l'application F, c'est-à-dire F moins 1 de X est tout simplement égal à 3X moins 5 sur X moins 2. À la question suivante, on demandait de déterminer F rond F et naturellement donner son ensemble de définitions. Commençons par trouver F rond F. Voici ce que nous avons. Le domaine de définition de F, c'est quoi? C'est R privé de 3. Et nous avons F rond F de X qui est en fait égal à F de X. Donc, il faut tout simplement que X soit différent de 3 et ensuite que F de X lui-même, puisque nous calculons F de X, il faudrait que F de X soit aussi différent de 3. C'est-à-dire, X sera donc différent de 3 et f de x différent de 3, cela signifie simplement que 2x moins 5 sur x moins 3 va être différent de 3, c'est-à-dire x différent de 3 et après, résolution de l'équation 2x moins 5 sur x moins 3 égale à 3, nous sommes arrivés à la conclusion que x devait donc être différent de 4. Donc, en regardant cette condition, nous arrivons à x différent de 4. Donc, F rond F de X existe si et seulement si X est différent de 3 et X est différent de 4. Donc, le domaine de définition de F rond G est égal tout simplement à R auquel nous en devons 3 et 4. Voilà à quoi est égal le domaine de définition de F rond G. À quoi est égal F rond G donc? Je voudrais dire plutôt F rond F. Attention, je me rectifie ici. Donc, le domaine de définition de F rond F, je reprends, domaine de définition de F rond F est égal à R privé de 3 et 4. À quoi est égal F rond F? Si nous prenons X dans l'intervalle R privé de 3 et de 4, F rond F de X est égal à F de X, qui est égal en fait à quoi? Nous allons dans l'écriture de F de X, nous remplaçons X par F de X, ce sera donc 2 fois F de X moins 5 sur f de x moins 3. Et ensuite, nous remplaçons f de x par son expression, c'est-à-dire 2 fois
facteur de 2x moins 5 sur x moins 3, moins 5 sur 2x moins 5 sur x moins 3, moins 3. Et en développant cette écriture, nous arrivons effectivement à quoi? Lorsque nous faisons f rond f de x, c'est-à-dire f de f de x, nous arrivons donc tout simplement à x moins 5 sur x moins 4. Donc cela est égal à x moins 5 sur x moins 4. Voilà à quoi est égal f rond f de x. Et c'est avec cela que nous achevons la correction des devoirs. Nous commençons donc la leçon d'aujourd'hui, qui est la leçon 45, qui porte sur courbe CF à centre de symétrie. Quel est le plan de cette leçon? Nous allons fixer les objectifs de la leçon, les prérequis vous seront donnés, une situation problème suivra, une activité d'apprentissage et un exercice d'application et enfin des devoirs à faire à la maison. Quels sont les objectifs de notre leçon? Vérifier qu'un point est centre de symétrie à une courbe. À la fin de cette leçon, vous serez donc en mesure de vérifier si un point est centre de symétrie en seul A, centre de symétrie à une courbe. Vous serez aussi à mesure d'utiliser le centre de symétrie dans la construction des courbes et enfin de vérifier qu'une fonction est impaire. Qu'est-ce qu'il faut connaître avant d'aborder cette leçon? Ensemble de définition d'une fonction, la notion de symétrie centrale, la notion d'appartenance d'un point à la courbe d'une fonction. Situation problème. La géolocalisation a permis de constater que la courbe CF de la fonction f définie par f de x égale à x au cube moins 3x plus 1 est dans un repère orthonormé d'un quadrillage, une représentation d'un pipeline. Seulement, la partie de CF de la figure ci-après a été représentée par l'ingénieur en charge des travaux signalant, par l'ingénieur en charge des travaux. Donc, on dit que ceci est une partie d'un pipeline dont l'ingénieur a représenté. L'ingénieur en charge des travaux. Et on dit que ce pipeline doit donc suivre la courbe de la fonction f de x égale à x au cube moins 3x plus 1. Que le tracé entier du pipeline peut être obtenu. Donc l'ingénieur en charge des travaux nous dit que le tracé entier du pipeline peut être obtenu à partir du point oméga de coordonnées 0, 1. L'ingénieur est absent le jour du démarrage des travaux. Son assistant souhaite compléter le tracé de ce pipeline, mais ne sait comment s'y prendre. Comment peut-il procéder? Donc voilà le problème que l'assistant de l'ingénieur a ici. L'ingénieur en charge des projets du projet nous a dit que le pipeline suivra. Pour compléter le tracé du pipeline, il suffira simplement de... On peut compléter ce tracé en se servant du point oméga de coordonnées 0, 1. Mais n'étant pas là le jour du lancement des travaux, son assistant a des difficultés à compléter le tracé de cette courbe. Il est donc question ici de l'aider à lever cette difficulté. Activité d'apprentissage. Si nous avons la fonction f, si nous avons la fonction f définie de r vers r par f de x égale à x au cube moins 3x plus 1, oméga 1 point de coordonnées AB et m de coordonnées x, y, 2 points du plan. Première question, quelle est la condition d'appartenance du point M à la courbe CF de F? Deuxième question, déterminer les coordonnées du symétrique M' de M par rapport au point oméga de coordonnées AB. Troisième question, montrer que si M appartient à la courbe de F, alors les coordonnées du point M' sont tout simplement 2A moins X et 2B moins F de X. Il est important ici pour nous de noter d'abord notre fonction avant de continuer. Nous avons dit que la fonction f était définie de r vers r qui a x, nous associons x au cube moins 3x, x au cube moins 3x plus 1, et nous avons pris un point oméga qui était de coordonnées a, b et b. Nous avons désigné m comme étant le symétrique de, nous avons désigné m' comme étant le symétrique du point m par rapport au point oméga. Donc, question 4, on vous dit si M appartient à CF, à quelle condition M' appartient à CF? Question 5, on déduit la condition pour que oméga de coordonnées AB soit un centre de symétrie à la courbe de F. Question 6, si nous prenons A égale à 0 et B égale à 1, montrons que le point de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie à la courbe de la fonction F définie par F de x égale à x au cube moins 3x plus 1. Et question 7,
tracer alors la courbe représentative représentant le pipeline, c'est-à-dire nous allons donc aider l'assistant de l'ingénieur ici à pouvoir continuer le tracé du pipeline. Nous commençons avec la première question. On demandait sur quelles conditions, à quelles conditions le point M appartient-il à la courbe de F. Pour que le point M soit sur la courbe de F, la première condition, il faut que l'abscisse du point M soit dans le domaine de définition de F et ensuite que l'image de cette abscisse donne son ordonnée. L'image par F de X soit égale à Y. Donc voilà la condition pour que le point M soit sur la courbe de la fonction F, c'est-à-dire il faudra que X appartienne à DF et que F de X soit égal à Y. À la question 2, on demande de déterminons les coordonnées du point M' symétrique de M par rapport à AB. Nous savons que, nous sommes à la question 2, nous savons que M' est le symétrique du point M par rapport à oméga. Lorsque cela signifie quoi? Simplement, nous imaginons, voilà oméga, voici le point M, alors son symétrique est le point M' qui est tel que oméga est dans le milieu du segment M', et si oméga est le milieu du segment M', cela signifie que le vecteur M oméga est égal au vecteur oméga M'. Or, le vecteur M oméga a pour coordonnée A moins X, B moins Y, et le vecteur oméga M' a pour coordonnée X' moins A, Y' moins B, ce qui nous permet donc d'avoir tout simplement A moins X égale à X' moins A, B moins Y égale à Y' moins B, et en tirant X' ici, nous arrivons donc à X' égale à 2A moins X et Y' sera donc tout simplement égal à 2B moins Y. Conséquence, les coordonnées du point M' qui est le symétrique de M par rapport à oméga sera donc tout simplement 2A moins X et 2B moins Y. Voilà quoi est égal les coordonnées du point M' symétrique du point M par rapport à oméga. Il est tel que le vecteur m oméga est égal au vecteur oméga m'. En remplaçant chacun par ses coordonnées, nous arrivons bien aux coordonnées de m' qui sont tout simplement 2a moins x et 2b moins y. Nous passons à la question 3. Montrer que si m appartient à la courbe de f, alors m' aura pour coordonnées 2a moins x et 2b moins f. Nous avons vu tout à l'heure que la condition d'appartenance pour que m, si M appartient à C, nous avons vu à la courbe de F, nous notons ici CF, cela signifie que X appartient d'abord au domaine de définition de F et l'image de X est égale à Y. Ça veut donc dire que M' étant le symétrique de M par rapport à oméga, cela signifie donc tout simplement, puisque nous sommes dans la condition M appartient à C, à la courbe de F, cela signifie que l'ordonnée Y que nous avons écrit ici pourra donc être remplacée tout simplement par F de X. Alors, M' aura donc pour coordonnée tout simplement 2A moins X et 2B moins F de X. 2A moins X, 2B moins F de X. À la question 4, si M appartient, à la question 4, on nous dit, si M appartient à CF, si M appartient à CF, à quelles conditions M' appartient-il à CF? Donc, si M appartient à CF, nous allons le reprendre ici. Si M appartient à CF, nous savons déjà que cela signifie quoi? Lorsque M appartient à CF, on dit que si M appartient à la courbe de F, cela signifie tout simplement que le point M' est de coordonnées 2A moins X et 2B moins F de X. Et maintenant, pour que M' appartienne à CF, quelle sera donc la condition? La condition, c'est il faut que l'abscisse de M' soit dans le domaine de CF, c'est-à-dire que 2A moins X appartient au domaine de définition de F, et ensuite que l'image de l'abscisse soit égale à l'ordonnée, c'est-à-dire que F de 2A moins X soit égale à 2B moins F de X. 2B moins F de X. Voilà donc la condition pour que M', si M appartient à CF, quelle est la condition pour que M' appartient à CF? Il faudrait simplement que 2A moins X appartient à DF et que l'image de 2A moins X soit égale à 2B moins F de X. Donc voilà notre condition pour que le point M' soit sur
CF. Question 5. On demande de déduire ici la condition pour que le point oméga de coordonnées AB soit un centre de symétrie à la courbe de F. Alors, pour que le point oméga de coordonnées AB soit un centre de symétrie à la courbe de la fonction F, qu'est-ce que cela signifie? Oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie à la courbe de la fonction F lorsque, si nous prenons un point M sur la courbe de la fonction F, alors sont symétriques par rapport à oméga. Le symétrique de M par rapport à oméga T, le point M' doit aussi appartenir à la courbe de la fonction F. Nous disons donc que si nous prenons un point sur CF et que son symétrique par rapport à oméga est aussi sur CF, nous disons donc que oméga est un centre de symétrie à la courbe de la fonction F. Or, cette condition et celle-ci avec M' appartenant à CF nous a permis d'avoir tout simplement que M appartient à CF et que M', qui est son symétrique par rapport à oméga, appartient aussi à CF. Il faut et il suffit que f de 2a moins x soit égal à 2b moins f de x. Donc voici la condition pour que oméga soit un centre de symétrie à la courbe de la fonction f. La condition, avec naturellement, nous avons précisé, il fallait que 2a moins x soit appartienne à un domaine de définition de f. Donc nous ajoutons cela, il faut que 2a moins x appartienne au domaine de définition de f. Avec x aussi qui est dans le domaine de définition de f. Si nous avons dit dans le domaine de définition de f, 2a moins x est dans le domaine de définition de f et l'image de 2a moins x est égale à 2b moins f de x. Et c'est dans cette condition. Donc si nous avons oméga qui appartient à AB, oméga qui est le centre de symétrie à la courbe de f, si et seulement si x appartient à df, 2a moins x appartient à df et l'image de 2a moins x est égale à 2b moins f de x. Nous prenons le cas de la fonction f qu'on nous a donné qui était x au cube moins 3x plus 1 et nous sommes dans le cas où a est égal à 0 et b est égal à 1. Allez, nous avons donc le point oméga qui est de coordonnées a et b. Nous allons vérifier tout simplement si le point oméga de coordonnées a, b est un centre de symétrie. Oméga de coordonnées 0, 1, c'est-à-dire nous prenons ici a égale à 0 et b égale à 1, on a dit que pour que le point ci soit centre de symétrie à la courbe de la fonction f, il fallait que nous commençons d'abord par le domaine de définition de f qui est r et que 2a moins x qui est en principe 2 fois 0, 2 fois 0 moins x qui est en fait égal à moins x appartiennent aussi à r. Si x est dans r, moins x aussi est dans r et il fallait que l'image de 2a moins x avec a ici étant 0, c'est-à-dire f de moins x est donc tout simplement égal à moins x au cube moins 3 facteur de moins x plus 1 qui est égal à moins x au cube plus 3x plus 1 qui est égal tout simplement à 2 moins en parenthèse x au cube moins 3x plus moins 3x plus 1. Donc nous avons dans ceci, nous aurons donc moins ici, nous aurons donc moins à 2 moins 1, ça va nous donner plus 1, c'est-à-dire que cela est égal tout simplement à 2 moins f de x. Donc nous pouvons dire que le point oméga de coordonnées 0, 1 est dans le centre de symétrie à la courbe de la fonction f. Donc nous avons pu justifier que f de moins x ici qui est 2a moins x, son image est égale bien à 2 fois 1 moins f de x, 1 ici étant b. Donc, oméga de coordonnées 0, 1 est effectivement un centre de symétrie à la courbe de la fonction f. Mais cela donc nous suggère tout simplement ceci. Comment représenter la deuxième partie du pipeline? Il suffira donc tout simplement de faire le symétrique de chaque point de la première partie du pipeline par rapport à au point oméga de coordonnées 0, 1. Nous allons donc suggérer ici à l'assistant de l'ingénieur de faire tout simplement la symétrie par rapport au point oméga de coordonnées 0, 1 de la partie du tracé de pipeline déjà existant. Donc il y a une partie qui existait déjà, qui était cette partie. Et nous avons ici le point oméga. Il suffit donc de faire le symétrique de cette partie par rapport au point oméga, puisqu'on a constaté que oméga était un centre de symétrie à la courbe de la fonction f, il pourra donc, ça nous permettra donc de compléter la deuxième partie du pipeline. Voilà donc là où notre pipeline pourra donc s'y
calculer. Nous avons donc répondu à la difficulté de l'ingénieur ici. Qu'est-ce que nous retenons de cela? Première propriété, si nous avons oméga qui est le point de coordonnées AB, est un centre de symétrie à la courbe de la fonction f de domaine définition DF si et seulement si, pour tout x appartenant à DF, 2a moins x appartient à DF et f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Donc, pour que le point oméga de coordonnées AB soit un centre de symétrie à la courbe de la fonction f, il faudrait que x soit dans, si nous prenons x dans le domaine, 2a moins x soit aussi dans le domaine et que l'image de 2a moins x par f plus l'image de x par f soit égale à 2b. Autre propriété, si nous prenons oméga de coordonnées AB, il est centre de symétrie. Une autre façon de justifier que nous avons un centre de symétrie est centre de symétrie à la courbe de la fonction f de domaine définition df si et seulement si pour tout a moins x appartenant à df, nous constatons que a plus x appartient aussi à df et que l'image de a moins x plus l'image de a plus x par f est égale à 2b. Donc, pour justifier que vous avez affaire à un centre de symétrie, vous pouvez aussi montrer que f de a moins x plus f de a plus x est égal à 2b. Et à la question, une autre définition ici, fonction paire, on dit qu'une fonction f, une fonction numérique f à variable réelle est paire lorsque, pour tout x appartenant au domaine définition de f, moins x aussi est dans le domaine définition de f et l'image de moins x est égale à f de moins x. Donc, pour que f soit dans, soit une fonction impaire, il faudrait que tout x que nous prenons dans le domaine définition de f, que nous constatons aussi que son opposé est dans le domaine définition de f et que l'image de moins x est égale à moins f de x. Là, nous disons que la fonction f est paire. Mais en regardant bien ceci, nous constatons que ceci ressemble à. Cela nous permet de déduire cette remarque. Je vous l'ai dit, la fonction f est donc impaire si et seulement si l'origine du repère est un centre de symétrie à la courbe de la fonction f. Donc, pour reconnaître la courbe d'une fonction impaire, vous allez simplement constater que cette courbe est symétrique par rapport à l'origine du, admet l'origine du repère comme centre de symétrie. Donc, par exemple, la courbe que nous avons ici est donc la courbe d'une fonction impaire. Exercice d'application. Commençons par le premier exercice. On nous donne deux fonctions f et g. La première question demande de montrer que le point i de coordonnées 0, 2 est un centre de symétrie à la courbe de f. Donc, nous allons tout d'abord regarder cela. Nous avons la fonction f qui est définie de r privé de. Nous allons le faire ici. Donc, nous avons f qui est définie de r vers r. Qui à x, nous associons moins x au cube plus x plus 2. On demande de vérifier que le point i de coordonnées 0, 2 est un centre de symétrie à la courbe de la fonction f. Nous constatons déjà que le domaine de définition de f est r parce que c'est une fonction polynôme. Si nous prenons x dans r, nous constatons que 2 fois 0 moins x qui est en principe égal à moins x appartient aussi à r. Et l'image de moins x est égale à moins x au cube plus moins x plus 2 qui est en fait égal à moins à x au cube moins x plus 2 qui est égal ici tout simplement à 4 moins f de x. C'est-à-dire si nous faisons 4 moins f de x, nous constatons que f de moins x est égal à 4 moins f de x, c'est-à-dire tout simplement que le point 0, 2 est centre de symétrie à la courbe de la fonction f. Il est question ici pour nous aussi de justifier que la fonction, le point k est centre de symétrie à la courbe de la fonction g. Je disais que le domaine de définition de f c'est bien r et nous avons calculé f de 2 fois 0 moins x plus f de x. Nous avons effectivement trouvé que cela donne 4, 4 qui est égal à fait 2 fois l'ordonnée, c'est-à-dire 2 fois 2. Donc i de coordonnées 0, 2 est un centre de symétrie à la courbe de la fonction f. À la question 2, on demandait de montrer que le point de coordonnées 2, 4 est centre de symétrie à la courbe de la fonction g. Le domaine de définition de g étant r privé de 2. Si nous prenons x dans l'intervalle r privé de 2, nous constatons que 4 moins x est aussi dans l'intervalle r privé, dans r privé de moins 2, de 2, je vous l'ai dit. Et g de 4 moins x plus g de x est égal. Quand on dit g de 4 moins x, pour calculer g de 4 moins x, vous remplacez dans l'expression de g, x tout simplement par 4 moins x, et c'est ce que nous avons fait ici. En le faisant, en ajoutant à
g de x, nous constatons que nous arrivons à 8 facteurs de x moins 2 sur x moins 2 qui est en fait égal à 8. 8 qui est 2 fois l'ordonnée du point K. Conséquence, le point K de coordonnées de 4 est donc un centre de symétrie à la courbe de la fonction g. Nous passons à l'exercice 2 où on a donné deux fonctions f et g définies telles que nous avons, on demande de vérifier que f est impair et ensuite de montrer que g n'est pas une fonction impaire. F est une fonction impaire, pourquoi? Le domaine de g déjà c'est R et lorsque nous prenons x dans R, nous constatons que son opposé qui est moins x est toujours dans R et l'image de moins x est donc tout simplement égale à moins x au cube moins 2 facteur de moins x qui est en fait égale à moins x au cube plus 2x qui est en fait égale à moins f de x. Donc f de moins x est égal à moins f de x. Nous disons donc que la fonction f est une fonction m impair. Nous passons à la question 2. On demande de montrer que g n'est pas une fonction impaire. Nous avons le domaine de g qui est R et avec g de moins x qui est égal à 3 fois moins x plus 1 qui est égal en fait à moins 3x plus 1 qui n'est ni g de x ni moins g de x. Cela donc différent de moins g de x. Nous pouvons donc conclure que la fonction g est une fonction qui n'est pas impair. Qu'est-ce que nous laissons comme devoir, comme premier exercice? On considère les fonctions f définies par f est défini de R vers R qui a x, on l'associe, moins x au cube plus 2x moins 1, et g est défini de R moins 3 vers R qui a x, nous associons 2x moins 1 sur x moins 3. Première question, montrer que le point i des coordonnées 0 moins 1 est un centre de symétrie à la courbe de la fonction f. Deuxième question, montrer que le point k des coordonnées 3, 2 est un centre de symétrie à la courbe de la fonction g. Exercice 2, f et g étant deux fonctions numériques à variable réelle définies par f est défini de r vers r qui a x, nous associons moins 2x au cube plus x et g de r vers r qui a x, nous associons 2x carré moins 1. Première question, montrer que f est une fonction impaire. Deuxième question, montrer que g n'est pas une fonction impaire. C'est avec ce devoir que nous achevons la séance d'aujourd'hui qui nous a été inspirée par le livre Siam de la classe de première SM. Et la prochaine leçon portera donc tout simplement sur la courbe d'une fonction à axe de symétrie. À très bientôt. Tam 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 t